Bonjour Jeunesse, voici comment faire concrètement là, pour faire l'évaluation de ton travail sur un grand-parent. Alors, j'ai partagé un document effectivement là, Google Doc avec toi sur le travail multimédia sur un grand-parent que tu as déjà reçu. Mais chacun a le sien avec son nom. Là, c'est le mien, M. D, mon travail à moi que je n'ai pas fait. alors, ce que toi tu vas faire, ce n'est pas compliqué. Tu regardes l'information, tout est là. Pour que tout soit là, c'est ça ici. Est-ce que tu parles de sa naissance? Où et quand il est né, où elle est née. Est-ce que tu parles de son enfance, de sa famille, de comment le monde était durant sa vie, loin de toi, de son travail, de ses hobbies, etc. Si tu vois de quoi sur tout ça, de manière assez intéressante, là, alors là, tout est là. Comment tu me donnes l'information, tu vas choisir, tu vas sélectionner, you select it, tu le sélectionnes, et là, tu viens ici. Text background color, tu choisis une couleur qui va pour toi. Moi, j'aime prendre le jaune. S'il te plaît, prends pas le jaune, c'est ma couleur. Et là, tu vois par exemple ici au bleu. Et tu vois, ça me donne l'information que tout est là. Multimédia, tu prends deux médias, full me. Deux médias, par exemple, ça peut être une vidéo et tu as aussi de la musique que tu as fait toi-même, de la musique. Et tu as le vidéo. Tu en as seulement deux, tu dis c'est super, c'est ça ici. Deux médias que tu viens chercher ici. Text background color, même couleur encore une fois. C'est bien. Tu as plus que deux médias, exceed. Tu as moins que deux médias, mais tu te places. Ensuite, tu vas porter un jugement. Est-ce que tu crois que M. D, l'aspirateur, que M. D a le goût de le voir une deuxième fois, d'après toi? Est-ce que toi, tu as le goût de le voir une deuxième fois? Est-ce que tes parents ont le goût de le voir une deuxième fois? Et là, tu vas dire, peut-être, non, tu ne sais pas, tu dis, ça pourrait être, mais il me semble que, tu sais, je l'ai vu une fois, puis c'est assez, là, tu sais. OK. C'est un jugement que tu portes. Ce n'est pas une question d'honneur, c'est toi, qu'est-ce que tu penses de ton travail? C'est très important. Et encore une fois, tu viens t'organiser avec ça ici. C'est bien, parfait. Suite à ça, tu vas venir ici, écrire une chose que tu veux que je remarque dans ton travail. Monsieur D, Monsieur D, Monsieur D. Remarque le soin avec lequel il écrit, hein? J'ai pris les photos. J'ai pris des photos. Et c'est tout ce que c'est. Et quant à ça, eh bien, tu sors du document tout simplement. C'est beau, c'est fait. Tout est beau. C'est partagé avec M. D. Au revoir. Copy document, et ça s'en va tout simplement ailleurs. Merci.